Hop. Et c'est donc parti pour du Factorio. Continuez. On en était toutes. On a fait un petit bout vendredi. J'avais noté mine de pierre. On a fait la recherche canon. On va être à sec de pierre. Et puis il faut aller augmenter les fours de cuivre et de fer. Ouais, on le voit, le cuivre. Le fer, ça va encore. Le cuivre, il est mou. Bon, après ça, il faut qu'on fournisse... Cela fonctionne pas parce que c'est plein, en fait. Donc ça va pas assez vite, apparemment. C'est une histoire de vitesse. J'ai le chien avec moi. Ah, parti. Je pense qu'il doit y avoir des orages qui doivent tourner. Là ça marche pas parce que c'est plein. Donc il suffirait d'avoir du rouge là pour que ça dégage un peu vite. Mais ce qui est marrant c'est qu'on a des trous. Malgré tout. Ah, j'avais du rouge là, remarque. Hein. Qu'est-ce que ça ferait si j'ai encore du rouge? Attends, je vais rajouter... Un rouge ici. En fait, c'est peut-être les rouges qui créent les trous. Quoique là, non, j'ai que du jaune et ça crée du trou. Non, faudrait que j'en ai un peu plus. Alors, le problème, si j'en ai un peu plus, c'est que ça va décaler l'entrée. Alors, c'est pas forcément gênant. Parce qu'on a de l'espace. On peut tirer jusque-là. Donc, on peut facilement rajouter deux lignes de four. On peut facilement se rajouter deux lignes de four. D'ailleurs, on pourrait presque les rajouter tout de suite là. Ouais, puisque les trous sont là en plus. Est-ce que je peux faire... Ah, là par contre, ça marcherait pas. Il faudrait les mettre ici. Mais là, j'ai mis ma réserve. Ah! Ah! Brin de brin. Ma réserve, elle est pleine au passage. Hein. Celle-là est pleine, celle-là non. Ah oui, celle-là non. Ah oui, et il puise dedans en plus. Ah oui, mais il puise du bon côté, du côté qui est plein. C'est bien. Alors, la pierre. Pour faire le point sur la pierre. Oui, là on a une mine qui est ridicule. Attends, elle est où la mine de pierre? Ah, pourquoi je la vois pas? Ah, oui, elle fait 20 000. Donc elle va être bientôt... elle va être bientôt quick. Salut Angeli. Ça commence à devenir une belle belle. Et puis j'ai le plastique qui est un peu mou du genou ici, mais après... Ah ouais, en fait c'est parce que je fais un petit stockage là. Donc après c'est tendu. Alors je pense qu'on a toujours eu un problème de production de fioles jaunes, mais ça c'est lié au... aux usines de composants de machin léger là. C'est loin, c'est ici. On n'en fait pas assez. Sa turbine. Drôlin, drôlin. Hein. Coucou tout le monde. Merci Hotbug. Merci pour les 45 mois d'abonnement. Un grand merci à toi pour le soutien de longue date. Ouais. Alors pourquoi c'est orange? Pourquoi c'est orange? Elle fonctionne. Donc là ça charge doucement, il faut 22 et 5. Donc c'est plein. Ah ben là c'est vert. Ok, c'était le temps que ça se remette à jour peut-être. Donc je pense qu'il faudrait plus d'usines. Vous allez me dire, ah il faut plus d'usines. Ou alors plus de modules. Si tu veux remplir au moins un demi-tapis, il est nécessaire d'avoir autant d'usines que le temps nécessaire pour faire une pièce.
Donc là, le temps nécessaire pour faire une pièce, c'est 20 secondes. Est-ce que c'est avec le... y compris avec le module de vitesse? Non, c'est 20 secondes. Donc là, ça doit aller plus vite. Ça doit aller légèrement plus vite. Ah oui, vitesse de fabrication 0,09 plus 20%. Pourquoi 0,9? C'est 20 secondes multiplié par 0,9. Je comprends pas le truc là. Ah, ça m'énerve. Ouais, parce que là on augmente la vitesse de fabrication de 20%. 20% de 20 secondes, ça fait moins 4, ça fait 16 secondes. Ah, la cam est devant l'info. Ah. Ah oui, puis... ça affiche 20 secondes de fabrication. Et là, on gagne 20%. Donc 20% de 20 secondes, ça fait 16 secondes. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai 16 machines. 16 machines. Non mais allô quoi. 16 machines. Alors que bon, bon an mal an, ça marche, hein. Là, le problème c'est que là j'en ai mis j'en ai mis 6, mais je peux ajouter un second niveau de module, oui, oui, ça irait plus vite. Parce que 20% plus 20%. Vitesse de fabrication 1,05 plus 40%. Parce que si on met rien, dans celui-là je mets rien. Vitesse de fabrication 0,75. Ah, c'est parce que celle-là c'est déjà des lentes en fait. Pour faire des niveaux 2, il me faut... Oh, je sais pas encore en faire un. Ah, c'est 20 secondes pour une usine grise. Et l'usine grise, c'est vitesse de fabrication 0,5. Ça, c'est 0,75. Ah ouais, puis après, il y a au-dessus ceux qui sont à 1. Ouais, donc c'est pas évident d'avoir la vraie info en fait. Bon, toujours est-il que là on est là. On est loin d'avoir un demi-convoyeur. On est très 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 loin d'avoir un demi-convoyeur. Bon, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se rajouter des usines. Hein. Par contre, il va nous falloir. Hop. Allez les robots au boulot. D'un autre côté, j'aurais pu faire mon copier-coller. Hop. Je suis pas sûr qu'ils aient le... de ça. Je vais l'en rajouter. Oh vache, il a du mal à couper dans le truc, lui.
Oh là, t'as du mal mon pépère. Ah ouais, parce qu'il doit y avoir une falaise. Ah non, il n'y a pas de falaise. Ah si, il y a une falaise ici. Attendez, je vais la faire péter la falaise. Voilà. C'est tout bon maintenant. Vous pouvez construire. Pourquoi il affiche ça? Emplacement de demande d'éléments. Ah, attends, shift droit, shift gauche, shift... Ah. Ah. Pourquoi il affiche ça? Appuyez sur clic droit pour annuler l'ordre. Parce que le pire, c'est qu'il fonctionne. Il faut plus de cuivre. Ouais, il faut plus de cuivre. C'est pour ça que j'avais mis une double de cuivre. Et tu mettrais du cuivre proche et le plastique acier en tapis loin. Ouais, mais ça c'est pareil. Parce que le rouge il tourne aussi vite que le qu'un bleu, non? Le rouge il a pas la même vitesse qu'un bleu. Vitesse de rotation 432. Ah non, 864. Ah non, les bleus ils vont vachement plus vite. Les rouges ils vont un tout petit chouille plus vite que les jaunes. Ah ouais. Okay. Après c'est pas ça qui gêne. Hein. Même ceux qui sont en mode rapide... C'est pas le chargement qui gêne, hein. Puisque le temps que ça se finisse, il y a tout ce qu'il faut comme élément. Ce triangle bleu indique qu'il manque un module. Ah, ok, c'est le module. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bon, bon. Ah, j'ai pas assez de plaques de cuivre. Et pourquoi tu me livres pas de cuivre? Parce que je suis pas dans le logistique. Ah, mais t'es pénible, hein. Il se termine où le logistique? Ah oui, ok. Ok, d'ac. Bon, autant pour moi. Est-ce que j'ai un Robocop sur moi? Non, un Roboport. Pas un Robocop. Alors, on va aller jusqu'où? Hop, 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 hop. Plaque. Le personnage est dans le chemin. Mais qu'il est nul, ce personnage. Hop, et voilà. Un Roboport. On va lui mettre un peu d'électricité. Poup. Bon, là, on va mettre par terre notre système électrique. Ah, bah... Ah, il est pas relié. Ah, c'est ballot, ça. Hop. Allez, filez-moi des trucs, les gars. Ah ouais, le cuivre, on l'a mis à mal. Ah, ok. On a un petit problème avec le cuivre. Bah, je vais faire des fours en acier. Ok. On a mis à mal le... Et puis il me faudrait du cuivre. Bah oui, pour les modules. Il me faut du cuivre. Et dis donc, pourquoi j'ai plein de... Ouais, là on est mal avec le cuivre. Pourquoi on est mal avec le cuivre? Oh bah non, on est bien là. J'ai mes fours. Attends, ils sont où?
Eh, on a fini l'unité de contrôle de la fusée. On va pouvoir faire la fusée. Mais il va nous falloir de la potion violette. Donc tant qu'on n'a pas la potion violette, pop, 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 pop. Que nenni. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vitesse des robots ouvriers. On peut augmenter la vitesse des robots ouvriers. Puisqu'on a de la jaune. Alors, il manque l'électricité. Enfin, normalement, c'est pas comme ça. Si on veut les mettre droit pour que ça soit aligné. C'est un petit peu le merdier ici. Hein. Attends, lui il aurait dû être là. Et lui il aurait dû être. Non, il est bien là. Non, il est pas bien. Ah si, il était bien. Bon, ok. Donc celui-là il sert à rien. Il sert à rien. Oula, il y en a plein qui servent à rien. Ça, il y a dû avoir du copier-coller intempestif. Alors pourquoi du coup. Ah, on manque de cuivre. Et pourquoi on manque de cuivre? Ah, parce qu'on est en bout de. On est en bout de chaîne. Ah, ça y est. Ça y est, c'est chargé. Plop, plop, plop. Ça fait deux cuivres de plus, quoi. C'est déjà pas mal. Alors, si on veut un canon. Toc, 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 toc. Je veux un canon. Oula, c'est cher. Et puis, surtout, il va falloir faire du béton. Béton, on n'en a encore pas fait du tout. Comment on fait du béton? Béton armé, non, c'est du béton normal. Oh là là! Il faut du minerai de fer, de la brique en pierre et de l'eau. Non mais, du minerai de fer! Sérieux! Du minerai de fer! Ça veut dire que l'usine, il faut la faire... limite par ici. Le problème, c'est qu'on va pas avoir d'eau. Et puis on va pas avoir de pierre. La pierre, on l'a là. Attends, c'est de la pierre... c'est de la brique en pierre. Donc la brique en pierre... La brique en pierre, on l'aurait là. Ouh là, il y a eu un souci. Ouh là là. Allô, Houston. Hop. Ouh là, il se passe un truc là. Ouh, il se passe un truc pas bien. Alors attends, il faut que le charbon il soit en bas. Attends, qu'est-ce que c'est que ce beans là? Ah oui, on arrête le charbon ici. Mais là, il faudrait que le charbon soit en dessous. On est mal. Il faut que le charbon soit en dessous. Et il faut que lui soit au-dessus. C'est pas compliqué. Voilà. Et voilà. Oh là 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 là. Bon courage. Oui, merci. Donc, mais où est-ce que je vais pouvoir aller faire mon usine, mon machin pour faire du... Je vais quand même pas extraire du minerai de fer ici pour le remonter, pour... Parce que l'eau... Ah, j'ai de l'eau ici. Alors attends, j'ai des briques de pierre. Je pourrais me faire une dérivation de briques de pierre.
J'ai de l'eau, faut juste du, il me faut juste du minerai. Ça m'embête. Hein. Réfléchissons, réfléchissons. On n'avait pas pensé à ça. Mais mon cuivre il est pop 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 pop. Qu'est-ce qui se passe avec le cuivre là? Ah ça y est, ça va redémarrer parce que bon, c'est la mine de cuivre. Attends, je vais le remettre en manuel. On trimballe du 1000. On va peut-être demander un peu plus. 1500. Pourquoi il repart pas? Ah, parce qu'il est en manuel. Ok. C'est qu'il va mettre plus de temps à arriver. Ouais, parce que là, ça s'est déjà déchargé. Donc là. Donc là, l'usine va arrêter de produire. Quoi. Là, on est à notre max de production. Mais. Il n'y a plus de cuivre. Il n'y a plus de cuivre. Hein. Donc je pense qu'on va passer sur du chargement sur deux wagons. On va charger sur deux wagons pour multiplier par deux la vitesse de chargement. Après sur deux ou sur quatre, mais ça veut dire qu'il faut que je change complètement ma gare qui est trop petite. Hein. Là je peux décharger que deux wagons. Là on va étendre la gare après. Dans la liste des choses à faire, il faut que j'étende la gare. Il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé au départ. C'est mal. C'est très 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 mal. Toc, 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 toc. Après, on peut changer le truc en mettant la production de fer, les fours de fer et de cuivre ici, quand on n'aura plus la mine de pierre. Là, on aura de la place pour faire les deux les mines. Tranquille, peinard. Hein. Tranquille, peinard. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on voulait faire? Ah oui, le canon. Mais non, on glande pas. Il y a deux options. Soit je fais un truc, il faut que j'amène moi-même le minerai. C'est une option. Alors, de l'eau, j'en ai là. De l'eau, j'en ai là, donc éventuellement, je pourrais faire descendre de l'eau par ici. Parce que je pourrais éventuellement la faire ici aussi, la truc. Parce que là, par exemple, je sors un machin en disant à droite, je veux du minerai de fer. Il me faut de la pierre. Et la pierre, c'est pour l'instant, c'est loin. La pierre, c'est ici. Ou alors, je le fais avec un robot. Ah, ça pourrait être cool, ça. Ouais, on va jouer avec les robots.
on va jouer avec les robots. On va jouer avec les robots. On va jouer avec les robots. Alors attends. Là on fait comme ça. Là on fait comme ça. Là on fait comme ça. Donc là. Ah, n'a plus. Alors quelque part je produis les tuyaux. Hein. Salut Lynn. Ah t'as eu un coup d'orage, ça t'a coupé l'électricité et... Ouais ça fait peur hein, quand ça claque. Quand ça claque pas loin. Ah, je crois que nous ils nous ont mis menace d'orage, ouais. Alors attends, ils sont où mes tuyaux? Ah ils sont oui ils sont là. Hop, allez, pof. Il me reste sinon combien? 19. Allez, on va en reprendre un. Hop. Ah tiens, pendant que j'y suis, je vais reprendre des munitions. Elles étaient où les munitions? Ah, c'était plus bas. Ouais, c'était plus bas. Le PC, il aime pas ça non plus, ouais. Y'a pas dans le temps, moi, c'était encore en Picardie, j'avais... c'est le congélateur qui avait pas aimé ça. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. On va reprendre un peu de trucs. On va se resservir. Des tourelles, il m'en reste combien? 9. Oh, c'est bon. Les tourelles, c'est bon. Répartiteur 30. Convoyeur, ouais, c'est impeccable. Des petits bleus. Des petits bleus, j'en ai pas beaucoup. Hop. Et des petits rouges non plus, j'en ai pas beaucoup. Hop. Par contre, il va me falloir un bleu. Ah, et j'ai pas la recherche pour les bleus. Ah, ça va pas t'aller. Il me faut la recherche pour les bleus. Comment on fait la recherche pour les bleus? Ah, c'est cela. Ah, je peux la faire. Ça coûte 500 par contre. Alors attends, j'annule. On peut la reprendre après. Ah oui, parce que là je peux pas faire les bleus. Parce qu'il faudra un coffre bleu pour qu'il vienne alimenter mon usine. J'ai dit que je la ferai où l'usine? Ici. Qu'est-ce qu'on veut fabriquer dedans? Du béton. Oh, bon, on peut mettre du tuyau là. Hop. On veut de l'électricité. Hop. C'est A. Voilà, un petit robot jaune. Et puis on fait la sortie ici. Pour l'instant, c'est juste pour faire du canon, donc et qu'est-ce qui manque? Il manque de la pierre. Eh ben la pierre, on va l'amener là. Alors la pierre, elle était où? Non, on va pas faire du spa. Ah oui, c'était la pierre que je voulais amener avec le petit robot. Donc la pierre, il y aurait eu un coffre quelque part. Donc un coffre bleu qui aurait été là et un petit robot qui charge le truc. Voilà, hop. Et donc, bah, tiens, prends ça. Est-ce que j'ai de la pierre sur moi? Oui, hop. Et voilà. Il va commencer à me faire du béton. Ouais, on va commencer à faire du spaghetti, Patrice, ouais.
Non, mais on va utiliser les robots avec les coffres bleus. Oui, de la pierre, j'en récupère par les robots logistiques, donc je peux charger. Tiens. Ah non, c'est pas là. C'est là. Hop. Hop, hop. Et bah voilà. Tiens, prends ça. Mais pour l'instant, il faut que je le fasse à la main. Alors que si je mets un coffre bleu avec demande de trucs, il le fera tout seul. Ah, faut qu'il se recharge les pépères. Du coup, ça me fait du béton. Pourquoi il fallait du béton? Pour faire des canons. Pour les canons, faut... Ouais, on va la déplacer, cette usine. Hein. Non, on va la faire autre chose, et ce qu'on va amener, c'est le minerai de fer. Ouais, 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 on va faire ça comme ça. Parce que là, on va la déplacer ailleurs. Comme ça, on fera le canon à côté. On se fabriquera le canon dans le même truc. Sinon, le canon, il n'y a peut-être pas besoin d'usine. Je peux peut-être le fabriquer comme ça tout seul. Ah oui, parce qu'un canon, j'en ai besoin que d'un. J'ai besoin que d'un seul canon. Il faut juste que j'ai 60 béton. Hop. Attends, voilà, clac. Ça y est, le béton, je l'ai. Attends, il est où le canon? Voilà. Donc il me faut 120 plaques d'acier, 100 plaques de cuivre, 60 plaques de... Non, 120 plaques de fer, 100 plaques de cuivre, 60 plaques d'acier, et le plastique, je l'ai. Pop, pop. Oui, après, l'option, c'est d'avoir de ne plus avoir de convoyeurs, et puis de n'avoir que des petits robots avec des coffres logistiques. Mais moi, j'aime bien les convoyeurs. Alors par contre, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va peut-être pas lui faire fabriquer... Ah ouais, de toute façon, il est bloqué pour l'instant. Mais pas lui faire fabriquer 50 000 béton. Il est bloqué parce que c'est moi qui charge la pierre manuellement. Les briques en pierre. Mais bon, admettons. Après, donc le fer. C'est pas compliqué, tac tac. Le cuivre. C'est pas compliqué, tac tac. Donc là, il me manque plus que 60 plaques d'acier. On les fabrique où? On les fabrique de l'autre côté. Dogebus. Hop, 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 hop. Voilà, on les fabrique ici. Donc 60. Pourquoi il y en a autant? Ah oui, parce que je tamponne ici. D'accord. Bon, ben là, je peux faire mon canon. Allez, hop. Un canon, un canon. Alors, c'est pas tout ça, parce que le canon, il faut... ça marche avec des... Mais pas des obus normaux, non? Si, on met des obus normaux dans le canon? Là, ah, disons le cuivre, on est mal. Hein. C'est le dernier de la liste. Ah, c'est obus d'artillerie. Ah oui, il y a obus et obus d'artillerie. Ah ben, je peux en faire un. Ça va permettre de faire un test. Il faut de la dynamite. Hein. Bah, je vais récupérer de la dynamite au passage. Où elle est la dynamite? Ah, j'étais trop loin. Ouais, il y a les obus de canon et les obus d'artillerie.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hop, allez, il me faut de la dynamite. Il m'en faut plein. Il faut plein, plein, plein de dynamite. Ah, attends, je me suis trompé de sens. F, D. Hop, plein de dynamite. À moi, à moi, à moi la dynamite. Hop. Oui, donc le cuivre, plus on monte, plus il est épars. Et mes usines fonctionnent pas, quoi. Tout simplement, on n'a pas assez de cuivre et... c'est la dèche de cuivre. Tiens. Le seul qui a pas de module de vitesse. Oh bah tiens, voilà un petit module de vitesse, allez arrête de pleurer. Est-ce que je peux en fabriquer? Ouais, je vais en mettre un pour le petit dernier. Bon, il faut booster le cuivre. Ah, brin. Il faut qu'on booste le cuivre. Donc pour ça, faut qu'on augmente la... On augmente la vitesse de déchargement et de chargement des trains. Ça, c'est pas compliqué. Je vais aller chercher un wagon. Il doit me rester des wagons là, non? Ouais, je vais prendre celui-là. Hop. C'était un projet aborté. Et donc... On va le remettre en manuel. On va lui remettre un wagon. Oh, bah j'en avais. Ok. Ah, trop loin. Pac. Et bah on va aller le charger. Donc pour ça, il va falloir des... Je peux... J'ai du bleu. Ça devrait aller. Allez, on va là. Hop. Et on repart. Hop. Tchou tchou. Tchou tchou. Faut dire qu'elle est loin notre mine de cuivre. Hop. Alors on repasse en manuel. Oula. Et on n'a pas bien aligné le train. Ah mais on est ballot nous hein. On est vraiment ballot hein. Hop hop hop. Allô, t'es vide de toute façon. Ok. Donc il faut qu'on fasse du chargement. Ah oui, j'avais un problème ici avec les... Je l'avais pas fini ce truc là. Alors attends, je recommence tout. J'ai encore le module de vitesse qui vient coincer le truc. Oh là 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 là. Alors, bah on va profiter. Pourquoi j'avais un verre ici? Ah. J'ai relié tous les coffres avec du rouge. Tac. Ah, j'en aurais pas assez. Brin. Faut que j'aille chercher des trucs.
pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Bah ouais, t'es plein. Qu'est-ce qu'il nous fait? Fait des drôles de trucs, hein. Je vais te mettre en manuel pour que tu reviennes, pour que tu partes pas sans moi. Parce que moi, il me faudrait du câbleau. Ouais, du câbleau rouge et du câbleau vert. Il manque 50 plaques de trucs. Je vais aller chercher. Tiens. Je vais me refaire un deuxième obus pendant que j'y suis. Oh, je peux en faire en deux en plus. Tac, tac. Ouh, il est loin d'être vide, lui. Cinq. Il va m'en manquer... Donc là c'est bon, il est chargé. Hop, je peux y aller. Par contre, oui, on va à la mine de cuivre. Faut faire gaffe à ça en fait. Il faut faire gaffe. Salut Ubis. Ouais, parce que quand il se remet en... quand je le remets en automatique, il se met à la mine de cuivre, donc il revient bêtement, il fait n'importe quoi, quoi. Pourquoi il m'en a pas construit deux? Ah, parce que c'est bloqué par les... Ok. Alors attends, je vais... Il m'en faut juste deux. Tac, tac, tac. Comment on peut changer les priorités? Oh, ça va être vite fait. Donc, en attendant... On va se mettre un calculateur. Ah mais je l'avais le calculateur, j'avais pas besoin de le refaire. Alors attends, je l'annule. Je l'ai là. Hop, on va se mettre un calculateur ici. Donc là j'ai tout relié avec du fil rouge. Tac, 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 tac. Tac, tac. Le fil rouge, il va encore me falloir du fil rouge. Le fil rouge, donc ça, 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 et je viens le relier ici. Ensuite, la sortie du calculateur, je viens le relier sur les petits robots. Ah. Ah, n'en a plus. Faut 3. Donc... Celui-là avec celui-là. Et il va m'en falloir un. Hop. Et il va me falloir 12 verres. Pac, pac. Tac, tac. Donc, on dit que... On veut... On fait une division par moins 12. Puisqu'on veut la moyenne en négatif. Hop. Et en sortie, on veut donc un nouveau chiffre. On veut la moyenne des minerais de fer. Donc là, tout est bloqué. Et donc, on prend le vert. Et on relie ça à ça. Ça à ça. Ça
ça. Voilà. Et ici, on dit si le minerai de... Alors, j'ai dit minerai de fer, c'est minerai de cuivre. Si le minerai de cuivre est inférieur à 1, hop, tu t'actives. Clic droit. Et là, il faudrait de l'électricité. Ah non, il faudrait un grand potal. Ah pourquoi? Ça marche pas ça. Salut Dominich, salut Christo. Pourquoi j'ai pas le signal de sortie? Normalement il devrait s'afficher, non? Comme il y avait un truc avant, ça a dû foirer le truc, non? Pourquoi il n'y a que ceux-là qui marchent et pas ceux-là? Ah, attends, ils sont pas chargés. Ah, ils ont... Si, ils ont la condition. Ah, est-ce que c'est bien inférieur à 1? Ouais. C'est inférieur à 1, ça s'active. Donc cela s'active pas, c'est normal, il y a un dans le truc. Mais pourquoi eux ils marchent pas? Ah, parce qu'il est plein. Ok, d'accord. Il est plein, le train. On va bien au déchargement. Ah, j'aurais dû rester là pour j'ai fait une bêtise. Là, il va y avoir du cuivre pendant un moment. Ah, il faut que je décharge. Oh, mais que je suis bête, moi. Alors. J'allais chercher du bleu. Salut Philbur. Oh, il est bien le cuivre. On est bien là en cuivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh non. Il me refaut un poteau comme ça.
Bon, ça y est, il est vide. On va la mine de cuivre. Donc là on lui demande toujours la même quantité mais rempli sur deux wagons, il devrait donc aller deux fois plus vite pour les charger et deux fois plus vite pour les décharger. D'ailleurs là, c'est plein de chez plein. Ah bah non, c'est pas plein. Donc il y a un problème, ça marche pas mon histoire de déchargement là. Normalement il devrait charger dans les coffres de manière Alors, ça on en a plus besoin. Passage. On a quelques mineuses sur soi. Est-ce qu'on a quelques mineuses? Oui, on en a trois. Allez, ne soyons pas pingres. Hop, voilà. Pour l'instant, le chargement est lent puisqu'il charge que sur deux bras. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il remplisse de manière uniforme tous les coffres. Du coup, c'est long. Attends, je vais l'envoyer. Et donc là... Alors, pourquoi lui, il marche pas? Ah, il n'a pas la condition. Ok, donc shift-click droit. Shift-click gauche. Ah non, c'est là. Voilà. Et maintenant, il marche. Et donc là, ça doit se remplir. Alors, pourquoi pas ici? Parce que là j'en ai 16, 14, 16, 18, 19, 20. Voilà, les coffres doivent se remplir de manière uniforme. Comme ça quand le train va revenir, ça va se décharger d'un coup. Beaucoup plus vite. Normalement. Pourquoi il y en a un qui est là? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors revoilà le train. Et pouf! Donc là il se sert super vite. 19, 20. Ouais, mais là ça va être vide. Et pouf, ça va être lent. Ah ouais. Il faut vraiment une grosse réserve de... Une grosse réserve de cuivre pour que ça assure. Et dis donc, il faut combien de... Il faut combien de mineurs pour charger un train de... Bon là, j'en ai pas beaucoup, hein.
J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai que 14 mineurs. C'est pas beaucoup. Bon, ça va encore assez vite. Les gars vont me répondre, ah mais des mineurs partout. Hop, ça y est, on est parti. Les coffres sont déjà pleins? Ah non, ils sont déjà vides. Et oui, celui-là s'est rempli plus vite. Ouais. Donc du coup, il attend qu'il faut que celui-là se remplisse. Hop. Bon, ben voilà. Alors, au niveau cuivre, ça va reproduire. Ma recherche, elle est, elle va pas très vite. Ah ouais, le cuivre, on est déjà mou là, mou du genou ici. Alors là-haut. Au début, le cuivre, c'est pas le truc qui est le plus demandé. Et sur la fin. Alors, on a que 5 usines qui travaillent. Pourquoi elle travaille pas celle-là? Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Allez, tiens, prends du cuivre. Allez, prends un petit chouille de cuivre. Un petit module de vitesse. Allez, hop. Il affiche toujours le truc bleu, hein. Ah, c'est parce qu'il en veut deux. J'ai fait un copie avec deux, alors il en veut que deux. Si ça tombe, si je fais un clic droit ici, clic gauche. Non, ça marche pas. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Ouais, j'ai quand même 8 usines. Ça devrait dépoter, non? Ah, oh, j'en ai toujours qu'une qui fonctionne ici. Ah, c'est le bleu qui coince maintenant. Oh, brun. Ah oui, dis donc, ouais, le truc... Ah non, c'est impeccable. Ah bah, c'est le bleu qui coince. Ah bah ouais, on en a qu'un. Ah bah, c'est pas grave. Par contre... Alors attends, comment il faut faire? Ah là c'est compliqué. Non, bah non, c'est pas hyper compliqué. Il faut juste lui dire je veux faire du processeur bleu. Donc ploc. Donne-moi du. Ouais bon, on fait comme ça, hein. Hop. Donne-moi de l'acide sulfurique. Donne-moi un petit bras rouge. Hop. Amène-moi des trucs ici qui vont bien. Hop. Donne-moi un poteau électrique. Hop.
ici notre potal. Et hop, on a doublé la production de bleu. Salut J1. On factorise un dimanche. Ouais, ouais, je sais. Mais après le goûter, on fera du, on glandera sur Minecraft. Parce que là, on bosse trop. Ah, c'est long. En plus, c'est long à produire du bleu. Hein. Par contre, si on double, ça veut dire qu'on va demander plus de vert et de rouge. Et le vert et le rouge. Eh ben, bon, on en a une bonne réserve, mais ça va aller vite. Allez, on fait une triplette. On fait une triplette. CTRL-C. Allez, plaque. Par contre, ça, ça va pas marcher. Oula. Ils sont violents, les trucs, hein. Ah, ils ont même encore des poteaux... Ah, les petits poteaux électriques, il en reste 9. Faut peut-être que je leur en mette en réserve. Les petits poteaux électriques. On va leur remettre des petits poteaux électriques. Alors c'est où les petits poteaux électriques qu'il faut les mettre? C'est dans le jaune. Hop, venez me donner des trucs là les gars. Hop, plop, 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 plop. Où est-ce que je les ai mis les plots? Oh vache, c'est vachement loin, eh. Bon non, c'est pas possible, je les ai loupés. Ils sont où? Oh, j'ai cru que vous alliez m'apporter des petits cadeaux les gars. Bah, où je les ai mis mes plots jaunes? Ah non, c'est encore plus bas que ça. Ah oh, bah. Sinon, je m'installe un... J'en ai un, ouais, je me l'installe là, puis c'est bon, hein. Jaune, et puis je mets des... Attends, on va en fabriquer... ouais. Plein. Et puis on les balance là. Hop. Voilà. Comme ça, quand je fais L, il me dit... Ah, il y en a 25. Ah, le rouge il morfle. Le rouge il se fabrique ici. En fait, c'était plutôt ici qu'il devait se mettre le truc. Ah oui, attends. Non, j'ai foiré le truc là. Ça y est, la turbine. On va faire du rouge. Ouais, parce que le rouge... attention, le stock descend. Plop, plop, plop. Donc là, on fait du bleu. Impeccable. Cuivre, le cuivre, on est mal. Hein. Le cuivre, on a un problème. Mais bon, ça c'était pour le truc allégé. Le truc allégé, c'est pas ça qui gêne le plus, c'est plutôt le bleu. Ah, on a 3 usines de fioles qui fonctionnent sur 6. It's good. Mais il faudrait produire un peu plus de bleu. Qu'est-ce qu'il demande en fait? Pour un châssis de robot, il demande un bleu. Il demande 2 bleus. Toutes les 21 secondes. Donc des châssis de robots, j'en construis un certain nombre. Là, j'en construis que pas beaucoup, quoi. Après, il faut regarder le temps que ça met à se construire. Là, c'est 10 secondes, alors que ceux-là, ils mettent 20 secondes. Ouais.
Donc ils se construisent deux fois plus vite. Après, ils ont utilisé 8 usines ici. Je devrais avoir... Ah oui, mais il m'en faut 2 de plus. Donc il me faudrait 8 usines de bleu. Je ne dirais pas que t'as foiré le truc. Bon, ça marche parfaitement. Tu dis ça parce que t'es jaloux. La première fois que t'as joué à ce jeu-là, t'as pas aussi joué, aussi bien joué que moi, alors évidemment... On va déjà en mettre une autre. Allons-y doucement. Parce que derrière, à chaque fois, faut que je refabrique une rouge. Alors, racine de châssis multipliée par fiole bleue au carré, divisé par l'âge du capitaine égale 21 secondes. Non, mais pour les ratios, tu peux me faire confiance, Jaywan. Hein. Je suis un professional. Professional. Un professional of ratio. Bon, disons, le vert, il morfle. Oh. Oh, 20 non, le vert, il morfle. Il faut refaire du vert. Puis tu vas voir que pour faire du verre, il faut du cuivre. Ah! Alors, elle est où la production de verre? Bah, où c'est qu'on fait du verre? Ah, on le fait là. Ouh, ouais, ça turbine là, mon pépère. Je croyais que les ratios, rien à foutre. Non, c'était pas ça, Jewel. Au début, on a dit, on se préoccupe pas des ratios. Et puis après, on a dit, les ratios. De toute façon, on n'arrive pas à faire de... On n'a pas de fil de cuivre, quoi. Le problème, c'est le cuivre. Le problème, c'est le... De toute façon, le problème, c'est le cuivre. Là, c'est clair que c'est le cuivre. Pourtant, moi, je dirais que notre machine, elle cartonne, non? On pourrait se rajouter deux fours. Ici. Bien là-dedans. Alors attends, par contre, on avait un. Il va falloir le mettre ailleurs, le rouge. Je voulais en stocker. Alors attends, il me faut un fil. Il faut bloquer celui en sortie. Et on dit minerai de cuivre. S'il est inférieur à. Tu t'actives. S'il est supérieur ou égal à 50. Pour l'instant, il s'active pas. Four. Four. J'en ai 3. T'as l'impression que c'est pas opti? Ah oui, mais attends, c'était... C'est normal, J1. J'en ai rien à fiche des ratios. Les ratios, c'est pour les lâches. Hop, hop. Ah, mais il n'y a pas de cuivre. Ça va pas bien marcher. Pourquoi j'ai pas de cuivre? Parce que... Parce que j'ai une rupture... J'ai une rupture. Bon, il va falloir que j'aille rajouter des mineurs. Combien je peux en faire de mineurs? 2. J'en ai 2. Ça va en faire 4. Est-ce qu'au niveau électricité, on est OK? Oui, on est bien, on a de la marge.
T'as platiné Stellar Blade. C'est quoi encore ce truc là? L'épée de... L'épée spatiale Stellar Blade. Une rupture dans les cuivres, ouais. Donc là on va être bientôt, là on est à moitié. Pourtant tous nos fours cartonnent. Elle est pas mal notre convoyeur, il est pas mal bien chargé. C'est cool. Du coup le système logistique il avance. 15h57, on va aller finir par aller tester notre canon. Parce que le but du truc c'était quand même de se construire un canon. Donc le canon là, on a le canon, on a des obus. Ah dis donc, ils se stackent pas les obus. Ah c'est nul. Non mais c'est nul ce truc. On va péter de la bestiole. Stellar Blade, une bonne brune avec un beau châssis, je cite le jeu, façon Dark Souls. C'est une Mustang GT peinte en noir. Une belle brune avec un beau châssis. Ouais, je sais, c'est nul. Alors on est où là? Ah, il va être bientôt chargé. Est-ce que je peux faire d'autres mineurs? Tac, tac. Pas revenu l'autre. Oh. Ah le voilà. Ah oui, il y a 900 dans le premier wagon et 260 dans le deuxième. C'est pas bien proportionné ça. Donc mon système de chargement-déchargement sur deux wagons, il est biaisé, quoi. J1 dirait il est pas optique, quoi. En plus, du coup, pourquoi... Ah oui, j'ai déjà déchargé dans trois wagons. Assez quoi. Ou alors après il faudrait diviser en deux et clairement venir biaise le système. J'en ai encore. J'en ai encore une.
Hop. T'avais plein de gameplay de maths mais pas de ratio. Ah, dommage. Du coup t'es passé sur Unicorn Overlord. Donc la licorne au-dessus du monde. Oh il est parti je train. Si j'ai une centaine dans chaque, ça me fait 1200. Hein, il faut que j'ai plus d'une centaine, vu que je demande 5500. Ouais, ok. Il n'y a pas assez. On n'en fabrique pas encore. Ça va quand même plus vite qu'au début. Non, à vous, J1, ça va plus vite qu'au début. On est beaucoup plus efficace. Déjà au début, on avait juste 6 machins. Bon, évidemment, sur la fin, on marche plus qu'à 4 bras et encore 3 bras, quoi. Les bras cassés. Plus que 0, c'est plus. Fais attention avec les 0, hein, parce que si tu multiplies par 0, t'as le même nombre que le 0 initial. Ah, l'autre, hey. Ça vient à peine de se vider. Ah, c'est impeccable. Ça veut dire que tous les fours doivent turbiner à fond de train encore. Oui, ouais, c'est bien ça. Ils se goûtent. On va les voir. On va aller, hop. On va aller voir Ah, c'est le verre qui... Ça va être le verre qui va coincer. Ah, puis le cuivre est mou du genou quand même, hein. Ah, vache. Oui, le verre, j'ai qu'une seule usine. J'ai qu'une seule usine de bleu qui fonctionne. Et ici j'ai que 3 usines qui fonctionnent. Donc on a un problème avec le cuivre et le verre. Le problème c'est que c'est lié, puisque le verre il demande du cuivre. Tu as des maths avant-gardistes. Ouais, mais moi je suis pas dans le système à... C'est comme la géométrie euclidienne. Il y a la géométrie euclidienne et il y a la géométrie non euclidienne. Moi je suis pas un euclidien. Alors ouais, il va falloir quand même un... Je casserais bien celle-là, moi. Ah non non, me faites pas ça les gars.
Oh, qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça a jamais pu ça a jamais marché ce truc là. On est d'accord. Ok, ça va mieux marcher là. La production de verre. On pourrait se débarrasser de ces triangles jaunes. Ça te gêne? C'est vrai que c'est... Oh, c'est pas si gênant que ça. T'exagères un petit peu. T'exagères un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser? Il suffit de casser ça. C'est bon, là il y en a plus. Ah si, on en a encore un. Pourquoi? Ah, voilà. Ah, où c'est qu'il est? Ah non, c'est de l'autre. Ah non non, c'est de l'autre côté. Il est vachement plus bas lui. Encore deux. T'es un petit peu exigeant quand même, hein. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Ça aurait été extra qu'il l'aurait demandé, je l'aurais pas fait. Ouh la vache, il y en a plein ici. Ah non, ça c'est l'électricité. Ah oui, c'est... Ouh là là là. C'est parce qu'il y a eu de la casse. Oh vache. Il y en a encore? Ah ouais, il y a ça. Ça. Il y en a encore. Pourquoi il y en a encore? Ah, il y en a là. C'est bon. Alors, le petit dernier qui reste, il est où? C'est parce qu'il t'a... Bah non, je suis pas rancunier. Oh, je suis pas rancunier. Mais je me méfie maintenant. Alors attends, c'est où l'autre? Oula. C'est loin. Attends. Comment on voit notre bonhomme? On est là? Ça devrait être là, non? Ah, c'est juste pour la lumière? Non, sérieux. Ah brin. Bah il était pas près de la faire. Voilà, il n'y a plus de triangle jaune. Heureux. Pardonne-le, il ne savait pas lui non plus. Ouais. Ouais. Oh dis donc, le fer, on est mal en acier là. Pourquoi? Ah c'est pour le... C'est pour les poutrelles. C'est pour les poutrelles qu'on demande beaucoup d'acier. Ok. Mais pourtant, là, c'est pas bloqué, là. Bon, en verre, on est toujours juste. Hein. On est très très juste en verre. Donc, on produit pas de... Tac, 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 tac. Ah, si, c'est bon, le verre, là. Ah, c'est ici. Ouais, on en a que deux qui marchent. Donc, il faudrait... Là, on en a cinq qui marchent. Cuivre. Donc il faudrait une de verre de plus. Facile. Hein. C'est comme ça qu'on règle les ratios, nous. Tu vois, on peaufine. Il faut une de verre. Il faut une verre de plus. Donc ce qu'on va faire... Pourquoi, pourquoi elle fonctionne pas? Ah, il n'y a plus de fer. Ah, il n'y a plus de fer. Mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de fer? Il y a plein de fer qui arrive, là. Pourquoi... Pourquoi d'un coup, c'est tout mou du genou, là?
Ah vache. Bon, on va être mal, hein. Heureusement qu'on arrive, à la fin de la fusée, là, hein. J'ai pas une mine de fer à côté de ma mine de cuivre. Il y en a un peu partout. Le peaufinage au doigt levé. Bon, ça va mieux là en cuivre. Ça va mieux en cuivre, mais en fer, on n'est pas bien du tout là. Pourquoi on n'est pas bien en fer? Me dites pas qu'il y a un problème avec le fer. On cherche qu'à 750 en plus. Alors qu'on pourrait demander du 1000. Hop, ramène-moi en 1000. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça charge? Tac 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 tac. Bon, on va peut-être augmenter le nombre de mineurs qu'il y a là-bas. Et puis surtout, 16h12, on va commencer à se préparer à aller taper de la bestiole avec notre gros canon. Bon, disons, il y en a toujours et il y en a encore. Ah, on peut faire comme ça pour trouver du truc. Il y en a encore qui sont pas finis d'être fabriqués là. Il y a encore du triangle jaune. Ah, c'est où? Qu'est-ce qu'il y a eu? Salut Kéops et merci pour le raid. Comment ça va mon pépère? On a fini le bleu. Ah, on va pouvoir faire les obus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant comme recherche? Alors, on n'a pas de violette. Ce qui fait que ça limite le truc. Oh, on pourrait faire un dégât des armes à énergie, mais on n'en fait pas d'armes à énergie, alors... Automatisation 3, faut de la violette. Et ouais. Impeccable si ça va, Kéops. Bah moi ça va, oh, ça va, ça va. Petit problème de santé, alors pas moi, de madame, mais... Pop, hop. Essaye de faire aller au mieux. Ouais. Bon, bah, je suis pas très inspiré là. On va laisser du coup se recharger le truc. Parce que quand on va faire la recherche pour la fusée, il va falloir de la bestiole. Hein. Mais la fusée, il nous faut de la violette. Et il en faut 1000. Il faudra 1000 jaunes. Pop. Alors, ah, c'est les trucs comme ça. Alors, comment on peut les annuler? Comme ça. Et il doit y en avoir d'autres ici, alors. Ah, c'est ces trucs-là qui mettent des alertes. Ça, c'est pénible, hein. Hop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va laisser... on va faire avec. De toute façon, oui, là on est en panne de cuivre. Hein. Là on est en panne de verre. Donc on va aller augmenter le verre.
Et puis on va aller taper de la bestiole. Et ça, c'est quoi? Commande à distance de l'artillerie. Ah, il me faut un processeur bleu et puis de la plaque de fer. Processeur bleu, on va aller en chercher. On sait où on en a, c'est nous qui le fabriquons. Faut le choper quand il arrive, hein. Attention! Hop! Ah, on va pas avoir assez de plaques de fer. C'est une honte, ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas assez de plaques de fer? Il y en a plein là. C'est bon, on peut la faire. Alors, je sais pas comment ça marche. Permet le tir d'artillerie manuellement à partir de la carte du monde. Moi, je veux ce truc là. Ouais, parce que on a des bestioles. On a des bestioles à déglinguer ici. Puis surtout ici, où c'est assez proche en fait. Ceux-là sont encore assez loin, mais ceux-là, ça va se rapprocher très vite. Ouais, au niveau mine de fer, le problème c'est que. Elles sont assez loin quoi. Là, il n'y a rien. Ah si, il y a une mine de pierre. Là, il y a une mine de charbon. Là, il n'y a rien. C'est le désert. Là, il n'y a rien. Ah, il y a une mine de fer ici. Mine de charbon, encore du pétrole. Bon, notre mine de fer, elle fait encore 5,4. Donc, il y a moyen de... Il y a moyen de faire bosser plus. En plus, je crois qu'il doit y avoir juste une dizaine de... Ou une douzaine de, foreuses. Donc, c'est pas beaucoup. On a augmenté ici, mais... Donc c'est le, je pense que la suite logique, ça va être d'augmenter notre production de plaques. Donc il va falloir penser à déménager, hop. Déménager le système de four pour le faire ailleurs pour en produire plus. Après, c'est pas pour rien que les gars ils font des quadruples. Ils font ça multiplié par 4. Hein. On comprend pourquoi. Ouais, peut-être pas obligé de multiplier par 4, mais il va falloir en faire un peu plus quoi. Par contre, alors soit on les déménage. On a de la place ici. Hein. Quand on aura dégagé... Ah oui, ce charbon-là, il sert pour les pour le truc, mais on peut le faire passer en bas. Est-ce qu'on serait pas là... Est-ce qu'on déménagerait pas la production de fer pour la faire ici? Et comme ça, ça nous permettrait de faire deux lignes de... Deux lignes comme ça, de fer. Et on aurait deux... Ici, on pourrait faire deux lignes de cuivre. Il faut juste amener un petit peu plus de, fer et de cuivre. Hop. Bon, on va aller... Est-ce qu'on a suffisamment de quoi pour se battre? Hop. On va aller faire mumuse avec le canon. Ah oui, le fer d'un coup, bloc. Ça y est, ça se rallume. En fait, c'est quand le train, il... Quand on a fini de puiser dans les réserves du train, faut que le train en ramène plus, quoi. Faut qu'il en ramène plus et assez rapidement. Donc, va falloir faire pareil pour le fer que ce qu'on a fait pour le cuivre. Mon tank, il est où? Donc, on fera ça, ben, on fera ça demain, a priori. Puisque demain, c'est lundi. Lundi, c'est Factorio. Le dimanche aussi.
Mais là, on va les goûter après. On fait bumuse avec le... Ah, est-ce que j'ai dû faire... du charbon. Ouais. On va charger la bestiole. Ah, on aurait pu refaire des obus normaux. Et c'est surtout... On va... Ah, attends. On va jeter ça et on va claquer du... Wep, wep, wep. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que normalement on peut tirer de loin. Parce que le canon, c'est... porté en mode manuel 560. Je pense que d'ici on doit pouvoir taper dedans. Par contre, faut peut-être aller voir déjà ce qu'il y a... 560, c'est énorme. Attends, je vais passer sur le côté. Oh là. C'est un tout petit nid de rien du tout, ça. Il n'y a même pas de verre. Ou alors je les ai déjà décimés. Allez, on le fait à la main. Voilà, c'est tout bon. On va aller s'attaquer à cela. Coucou ma torne. Bah, ils y sont plus. Ah si, mais ils sont beaucoup plus loin. Ok. Hop. Moi j'aimerais bien les voir quand même, attends. Ils sont où? Ah, ils sont... On est trop près là. Ouais, je voudrais bien voir les trucs exploser là. Ouais, voilà. Alors. Hop, peut-être. Se prévoir un petit au cas où ça tournerait mal. Voilà. Des quelques un petit truc de mur. Ouais. On met le canon. Là. Paf. Oh. Attends. Ah ben. Tiens. Allez, sale bête. Ah, hé! Va non! Attends. Mais tu touches pas mon... Allez, sale bête! Ah, non mais, sans blague! pourquoi il tire en manuel... Comment je le fais, tirer en manuel, moi? Attends, pas en... oui, comment je le fais pour le faire tirer en manuel? Je
Je dis tire là. Aucune artillerie armée à port. Bah, elle est là, là mon artillerie armée. Ah oui, elle est pas armée parce qu'il y a pas, y a rien dedans. Oui, mais si je mets quelque chose dedans, il tire. Ah, le canon est trop près, du coup il tire en auto. Ouais, parce que là, il tire en auto, hein. Puis il tire où? Ah, il en a quand même atteint. Ouh, ils sont partis. Ils sont partis au nord. Au nord. Il y avait les. Ah, l'air v'là. Enfin, non. Oh bah. Et ils sont bébêtes ceux-là. Hein. Après en auto ça me va aussi hein, mais bon, il a tiré dans quoi? Oh un bête truc. Ah, il y en a encore un. Il est pas mort. Ah si, il est mort. On sait pas trop où il a été tiré hein. Faut qu'on aille voir en reconnaissance. Oh. Je crois que ça fait bouger des bestioles. Bon, à chaque fois pouf. Alors attends, est-ce qu'on peut en re... Ouais, on peut en crafter deux. Ça mange des munitions, hein. Il tire sur le nid plus haut. Non, je pense qu'il tire sur celui-là, ouais. Ah, ben on le voit, là. La zone d'artillerie. Ah, dis donc, ça va mettre un certain temps. Voire un temps certain. À se crafter. Ah ouais, parce qu'en plus faut un radar. Ah vache, ça coûte cher de faire des obus, eh. Ah oui, c'est un radar, 4 obus explosifs et 8 explosifs. Oh, oh là 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 là. Eh ben on n'est pas rendu. Alors est-ce que c'est bien efficace? Ça aide tellement. Allez, viens les bestioles. Ah, ils sont cuits. Ah, tout est mort. On va mettre le dernier. Est-ce qu'il va partir encore en automatique? Tu pars où là? Ah vache, du coup on a vu le... Ah! Oh, puis c'est du gros ça. Oh, c'est du gros ça, madame. Ouais, il a pas tiré sur celui-là, il a tiré sur celui-là. Alors attends, on va se mettre un peu à l'abri parce que...
Lève-la les bestioles. Fâche, tout un escadron de bestioles. Eh ben on va peut-être le laisser là, notre système. Il y a juste que... Ah, j'ai pas plus de murets. On va refaire des obus, quoi. Ça va être costaud à faire les obus, hein. Ouais. Quelle heure il est? 16h30, on va arrêter là. Pour le petit live... la première partie. Il fait du plus près au plus loin et avec la télécommande. Par contre, s'il veut, tant qu'il est pas chargé, il veut pas que j'utilise la télécommande. Ah oui, parce qu'en mode automatique c'est 224, en mode manuel c'est 560. Donc on peut tirer beaucoup plus loin avec la télécommande. Quand il est plus, quand il a eu tout ce qu'il y avait en automatique, on peut le faire tirer. Ah, quoi que je... Ah bah si, il va être en logistique, il va être réparé. Donc maintenant on a possibilité de faire du bleu. Ce qu'il y a c'est que le bleu... Ouais, il faut du fer. C'est pas gênant. On va en faire un à la main. Allez, un petit bleu. Pas besoin d'être à côté du canon, il suffit d'ouvrir la carte et viser. Ah oui! J'attends les petits robots qui me livrent. Parce que là on faisait quoi? Ah, c'était pour faire du béton. Mais on a pour les obus, le béton c'était bien pour faire le début, quoi. Là il faudrait qu'on fasse des obus. Et pour les obus il faut des explosifs, faut des obus explosifs et faut un radar. Donc ce qu'on pourrait faire c'est qu'on se fait une mini usine. En fait, faudrait limite 3 usines. Une usine qui... explosif, on l'a déjà. Donc faudrait 3 usines. Une usine qui fait les obus, une usine qui fait les radars, une usine qui fait les obus explosifs. Donc on se met... Non. Parce qu'il faudrait la relier comme ça. Hop. Ouais, c'est bon là. Ouais. Et puis une autre. Ah ou. Comme ça. Je vais y arriver. Donc ici, on fait les gros obus. Ici, on fait les obus explosifs. Et ici, on fait les... qu'est-ce qu'il fallait? Attends. Les radars. Et... Ah oui, mais il va me falloir plusieurs bleus. Parce qu'on dit... pour faire les...
Demande logistique. Donc là, il faut de la plaque d'acier, de la barre de plastique et de l'explosif. Donc je mets du plastique. Ah, il demande la quantité. Alors attends. Il faut... deux plastiques, deux plaques d'acier, deux explosifs. Pour faire... ouais, on va les demander déjà comme ça. Alors, j'ai dit deux explosifs. Hop. J'ai dit... deux plastiques. Et... ah. Et j'ai dit... deux plaques d'acier. On est bien sous le truc du logistique. Donc ça devrait marcher. Ah, sauf que du plastique, il en a pas. Si, plastique, il en a. Explosif, il en a pas. Et de la barre d'acier, plaque d'acier, il en a. Il a pas d'explosif. Tiens. Comment ça se fait que j'ai pas d'explosif ? J'ai mis un bleu, mais d'un coup je me demande... non, c'est pas un rouge. Non, non, c'est bien un bleu. Alors attends, les explosifs, c'est où? Ah oui, ok. Donc les explosifs, il faudrait que je les mette dans un rouge. Comme ça, il sera accessible via les logistiques. Par contre, ce qu'il y a probablement, c'est que j'ai pas assez de logistique. Je suis peut-être un peu mou du genou. Alors j'ai... il y aurait moyen de resserrer tout ça, hein. J'ai fait trop... attends, les logistiques... 6 sont là. Hop, 4. C'est pas un petit peu... non, mais c'est pour débuter, hein. C'est pour voir, pour faire des essais. Ah, la dynamite arrive. Les plaques d'acier arrivent aussi. Hop, il fabrique. Par contre, quand est-ce qu'il s'arrête ? Il va peut-être falloir mettre de la logique pour dire qu'il s'arrête. Donc là, il vient de livrer un obus explosif. Mais il en faut 4 d'obus explosifs. Donc j'aurais dû demander x4. Donc ici 8. Ici 8. Ici 8. Et donc il faudrait faire pour le reste, donc pour faire le radar, il faut 10 plaques de fer, 5 engrenages, oulala, les engrenages on va pas les avoir, et 5 circuits verts. Le seul truc qu'on a dans le réseau logistique, c'est les plaques de fer. On n'a pas de circuit vert, on n'a pas d'engrenage. Donc c'est ça, il faudra rajouter ça. Et puis ça... il faudra rajouter de la dynamite. Donc 2. Donc il faudra il faudra encore un bleu. Et puis un bleu ici. De toute façon.
les bleus je les ai. Donc il faut un bleu ici et puis un bleu ben, on va pas avoir de choix. Voilà, ici. Et puis la sortie on la mettra là. Et puis je pense qu'on conditionnera les coffres ici. Il y a possibilité de les bloquer en logique parce que sinon il va venir les charger à fond de train, non? Et c'est pas forcément ça qu'on veut, non? Donc des petits des robots jaunes. Ah, j'ai plus de robots jaunes. C'est fou ça. Donc ici, dans ce sens-là, ici, dans ce sens-là, ici, dans ce sens-là. Ouais, parce que là, il n'arrête pas de charger, mais... Là on les a les obus explosifs. Tu verras, ça peut toujours servir. Stop, stop, stop. Bon, ben on continuera de faire ça demain. On fera notre petit système rien qu'avec les robots logiques pour fabriquer des obus. Des obus d'artillerie. Et puis après, une fois qu'on aura fait ça, eh ben on modifiera notre système de production de fer et de cuivre. Probablement donc en doublant le système, en installant le fer par ici. Et le cuivre, on le doublera ici. Donc on changera un peu la logistique. Au niveau charbon, c'est le merdier. Hein. On est d'accord qu'au niveau charbon, ça va pas du tout. Bon, ben on changera tout ça, voilà. Sachant qu'elle, de toute façon, à terme... il reste 109 000. Hop. Bon, elle ne sert plus qu'à produire l'énergie. Elle est branchée sur l'énergie en direct. Voilà, 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 voilà. Bon, et ben moi je vais aller goûter. Et puis on se retrouve pour finir la fin d'après-midi avec avec du Minecraft. On va aller faire mumuse avec le Titanic. Donc pour la rediff YouTube de Factorio, bisous bisous, à bientôt.